ancêtre du Whippet, Théophile Viaud ne se doutait probablement pas de la popularité qu'aurait par la suite son petit biscuit. L'histoire des biscuits Viaud commence lorsque le père de Théophile, Charles Théodore, quitte à l'âge de 15 ans son village natal de Longueuil pour la vie trépidante de Montréal. Au milieu du 19e siècle, dans la métropole, on parle business et non affaires. La fortune ne sourit pas facilement à un Canadien français, mais le jeune Viaud poursuit ses ambitions. Regardez-moi à la télé, hein? Je vais faire une petite annonce. Les biscuits Viaud sont dans des petites boîtes. Ils sont belles, hein? La biscuiterie Viaud existe depuis 1867 et elle est toujours une des préférées des amateurs de biscuits. Elle s'est réinventée au cours des dernières années en s'adaptant au goût des consommateurs. Chaque année, il se mange plus de 44 millions de biscuits Whippet, en plus des autres produits Viaud. Mais pour bien comprendre ce penchant pour les biscuits Viaud, il faut faire un retour en arrière. Écoutez, mon arrière-grand-père, c'est-à-dire Charles Théodore Viaud, il a d'abord travaillé chez Poupard, qui était un marchand de produits alimentaires. Puis c'est là qu'il a appris le commerce, en fait, de l'épicerie. Mais il avait quand même des goûts d'aller à son compte. Et c'est pour ça que pendant cette période-là, il a mis des économies de côté de façon à pouvoir se lancer en affaires lui-même. Charles Théodore Viaud n'a que 23 ans quand il achète le commerce de Poupard, qui se spécialise dans la vente de la farine. Il décide alors, en 1867, de fonder une boulangerie chez lui, sur l'actuelle rue Notre-Dame. Bien, on dit qu'il travaillait de nuit à faire du pain. Et le matin, très tôt, vers 6h, 6h30, parce que les commerces ouvraient tôt à cette époque-là, il livrait son pain. Et après la livraison de son pain, il retournait à son magasin de farine pour s'occuper de son commerce de farine. Alors, il utilisait toutes ses capacités 24 heures par jour. Histoire d'utiliser son four au maximum, Charles-Théodore Viaud entreprend aussi la fabrication de biscuits. Il invente même un biscuit nouveau genre, le village, qui connaît immédiatement la faveur du public. J'ai vu ma mère et même moi-même faire manger des biscuits village écrasés dans le lait avec du sucre, c'était délicieux. Moi, je me rappelle pas de mémoire du pavlov parce que j'étais plus jeune, mais les mères se servaient de ça pour les enfants, pour les nourrir, c'était très, très bon. Alors, disons, l'origine du biscuit est la préhistoire. Les femmes allaient récolter les petites graines dans les champs, le miel. Les hommes partaient à la chasse. Et plus tard, disons, l'armée romaine a commencé à transporter des biscuits de guerre. Et la création du biscotti, c'est-à-dire du biscuit cuit deux fois, et les biscuits marins, c'est-à-dire pour partir vraiment sur la mer pendant 5-6 mois. En 1868, Charles-Théodore Viaud doit déjà agrandir sa boulangerie en occupant la maison voisine de la sienne. Bientôt, il laisse tomber son magasin de farine et transforme les deux maisons de la rue Notre-Dame en une vraie manufacture. C'était un homme qui avait beaucoup d'ambition et un homme qui travaillait fort. Au pain et aux biscuits viennent s'ajouter le chocolat et les bonbons. Le jeune industriel voit sa compagnie grandir rapidement. Jusqu'à ce qu'en plein essor, la fabrique soit détruite par un incendie. C'est avant tout un bonhomme qui ne se laissait pas aussi abattre. Parce qu'il y a eu bien des problèmes et vous remarquerez que même s'il avait commencé comme boulanger, il n'a jamais voulu se retrouver dans le pétrin. Immédiatement, une manufacture beaucoup plus vaste et plus moderne est construite pour remplacer l'ancienne. Mais les embûches ne sont pas terminées pour autant.
C'est une crise économique qui dure jusque vers 1879. Elle est très grave. Beaucoup d'entreprises manufacturières qui s'étaient développées juste dans les années avant sont en sérieuse difficulté. Plusieurs font faillite. Il y a un chômage qui est très grave. Tous ces problèmes-là se répercutent dans l'ensemble de l'économie. La crise n'a cependant pas raison de Viau. La manufacture est même agrandie et dès 1876, une première réclame publicitaire paraît dans les journaux. Chez Viau et Frères, vous retrouverez une grande variété de biscuits et de bonbons. Nous utilisons la fameuse farine self-raising et ne vendons nul autre que le populaire French Heritage Bread aux épiciers. C'était pendant la crise économique. Et Viau a quand même gagné des prix pour la qualité de ses biscuits. En fait, il y avait des expositions à Québec et Montréal. Et en 1877, 1880, 81, ils ont gagné les premiers prix pour la qualité des biscuits. Et même, il y avait un jury de chimistes qui a donné un prix en 1880 pour sa farine. Alors, pour la qualité de sa farine, pour la recette de sa farine. Alors, l'économie repart en grande vers 1880. On profite, entre autres, des droits de douane très élevés que le gouvernement canadien a imposés en 79, qui protègent l'industrie manufacturière canadienne et des entreprises comme Viau en profitent pour se tailler un marché à elles à l'intérieur du Canada. Les voyageurs de commerce de Viau et Frères sillonnent le Québec et même l'Ontario. Les barils de biscuits et les chaudières de bonbons s'alignent dans les magasins généraux de plusieurs villages. Pendant ce temps, à Montréal, Charles-Théodore Viau entreprend d'autres projets. Comme on a dit, il était très dynamique, ce bonhomme-là, et il avait les goûts de toutes sortes de grandeurs. Et il allait passer ses étés à Longue-Pointe avec sa famille. Parce qu'il avait tout de même 7 enfants, il les amenait passer l'été à Longue-Pointe. Et puis là, il a décidé qu'ayant beaucoup de terres, il a racheté des terres d'ailleurs de la famille Molson, je pense. Il a décidé de faire une ferme. Et d'en faire une exploitation agricole. En fait, même, il y avait des vaches et il fournissait même le lait pour l'usine et tout. Alors donc, il s'intéressait à tous les domaines et il voulait vraiment que ça aille fort dans tous les domaines. Dans l'est de la ville, une poignée de riches propriétaires fondent en 1883 une municipalité distincte sur leur territoire. Ils la baptisent Maisonneuve. Alors, la ville de Maisonneuve est fondée en 1883 par un petit groupe de promoteurs canadiens-français qui veulent faire du développement urbain sur un territoire qui est encore agricole à ce moment-là. Et leur idée, c'est d'attirer des industries manufacturières ici en leur offrant, entre autres, des exemptions de taxes. Et on se dit que les usines qui vont venir, vont à leur tour attirer leurs ouvriers qui vont s'installer, qui vont vivre dans Maisonneuve. Et c'est ce qui va se produire. Charles-Théodore Viau entrevoit des perspectives d'avenir intéressantes à Maisonneuve. Il agrandit sa propriété en achetant d'autres terrains. Son domaine s'étend bientôt sur 11 arpents en bordure du Saint-Laurent, jusqu'à l'actuel boulevard Rosemont au nord. Plusieurs fermiers sont embauchés pour exploiter ces vastes terres. Grâce au lait disponible, la production de biscuits de l'usine de la rue Notre-Dame se multiplie à un rythme industriel. Avec l'Angleterre, les premières usines commencent à s'ouvrir et produisent du biscuit. Plus tard, un petit peu ici au Canada, bien entendu, puisque les relations étaient faites pour ça. Et il y a eu aussi le côté, disons, bourgeois de la biscuiterie qui était la confiserie. Et la confiserie, c'était le début des confitures de nos grands-mères, de nos arrière-grands-mères, et les fruits confits. Mais ça, c'était déjà pour une certaine classe de la société. En 1890, une centaine de sortes de biscuits et de bonbons sont fabriqués à l'usine de la rue Notre-Dame. On décide de miser sur ces produits et d'abandonner la fabrication du pain. L'Empire Viau ne cesse de grandir. Viau a eu l'idée de transformer ces terres qu'il possédait dans l'est de Maisonneuve, de créer une petite ville autonome qu'il aurait appelée Viauville. Là, les gens de Maisonneuve ont réussi à le convaincre de rester dans Maisonneuve, mais le nom Viauville est resté dans la toponymie pour désigner cette partie est de Maisonneuve. Son projet, c'était un projet résidentiel, de faire une petite ville modèle dans l'est de la ville avec des caractéristiques urbanistiques très spéciales.
Charles-Théodore Viau veut faire de Viauville une municipalité distincte de Maisonneuve. Il s'occupe même de l'urbanisation en exigeant que les maisons érigées sur ces lots ne dépassent pas 2 étages et qu'elles soient en retrait du trottoir et dotées d'une façade en pierre. En 1898, il fait construire une église pour la population grandissante de Viauville. La paroisse Saint-Clément de Viauville est née grâce à un homme très dynamique qui est Charles-Théodore Viau, qui avec un groupe de personnes, une douzaine de personnes, ont pensé un peu comment développer dans le fond ces terres. Et justement, ils ont planifié la construction de l'église. D'ailleurs, c'est un don, je veux dire. Charles-Théodore Viau s'est engagé justement à donner autant le terrain que l'argent pour la construction de l'église. Et c'est comme ça que ça s'est développé. Charles-Théodore Viau ne voit pas l'aboutissement de ses nombreux projets. Le 10 décembre 1898, il se plaint de douleurs à l'estomac. On pense d'abord à une indigestion. Et quelques heures plus tard, il tombe, foudroyé. Il meurt à 55 ans, laissant derrière lui 3 fils et 4 filles, encore très jeunes. La biscuiterie Viau fait face à la Première Guerre mondiale, le crash boursier de 1929 et à la création d'une légende, le Whippet. Elle avait une clé, puis nous autres, on avait un double. Le Whippet, ma mère, a caché une boîte de 5-30, cachait ça sous le lit. Et puis nous, ben, quand ils sortaient, on allait faire des incursions sur le lit. Puis on mangeait des Whippet. On les prenait, on levait la boîte et les rangeait, puis on prenait ça en dessous. Quand ma mère revenait de ses soirées, elle disait à mon père, regarde si nos enfants sont raisonnables. Ils n'ont même pas volé des biscuits chocolat. À la mort de Charles-Théodore Viau, son beau-frère, devenu au fil des années son bras droit, prend la direction de l'entreprise. Jean-Baptiste de Guise connaît bien les rouages de la compagnie où il travaille depuis plus de 25 ans. L'entreprise continue de prospérer jusqu'à ce qu'un événement tragique survienne. C'était un dimanche matin, le 12 novembre 1899. C'était un incendie qui avait pris naissance au sous-sol dans la salle des fours. Et qui était absolument spectaculaire. En fait, tout s'est écroulé. La famille d'un gardien est obligée de se sauver à travers un mur de flammes. Il y a des pompiers qui étaient restés pieds sur un toit qui ont sauté d'une trentaine de pieds. C'était un feu qui a été tellement spectaculaire que le lendemain, les journaux, ça faisait la une, mais toute la première page était consacrée au feu. Et je pense à la presse, entre autres, il y avait des dessins de gens qui sautaient du feu. Et on avait, c'est ce qui est un peu bizarre, on avait dit un incendie ou un feu formidable. Alors, je ne sais pas si on trouvait qu'il était très réussi, mais en tout cas, il disait qu'il était formidable. Mais c'était un incendie dont on a parlé longtemps, quoi. Ça va être tout détruit. De l'usine, il ne reste que des ruines. Les dirigeants décident de reconstruire sur le champ l'entreprise de la rue Notre-Dame. En fouillant les décombres, on découvre le cœur même de l'usine, une colossale roue génératrice qui met en marche toute la machinerie. On rassemble alors les pièces une à une et la grande roue à piston reprend son travail dès la réouverture de l'usine, 6 mois plus tard. Plusieurs années après, les représentants de la compagnie européenne qui avaient fabriqué la grande roue génératrice qui faisait marcher toute la machinerie de l'usine sont venus à Montréal pour voir ce qu'ils trouvaient extraordinaire, c'est que cette roue fonctionnait encore après l'incendie et aussi après un déménagement qui avait eu lieu quelques années avant. Alors, ils se sont aperçus avec stupéfaction que non seulement tout allait bien, mais il manquait un morceau. Quand ça avait été reconstruit, il y avait une pièce importante qui manquait et tout fonctionnait. Un soir d'hiver de l'année 1900, alors que la production de l'usine est repartie de plus belle, Théophile Viau, l'un des fils du fondateur, crée un biscuit qui portera encore plus loin la renommée de la maison. Et l'histoire est assez amusante. C'est mon grand-père, Théophile, qui était jeune, même si c'était mon grand-père, il était jeune à l'époque. Et il a eu la brillante idée de recouvrir un biscuit
d'une guimauve et d'enrober le tout de chocolat. À cette époque-là, en fait, il était étudiant même au Collège Sainte-Marie. Il avait donc créé le fameux biscuit au chocolat qui a été appelé à ce moment-là l'Empire et par la suite, c'est l'ancêtre du Whippet qu'on connaît si bien qu'il est si délicieux. Du haut de ses 17 ans et de ses 220 livres, Théophile Viau est un joueur de hockey réputé et respecté. Il veut connaître la réaction du public devant ce nouveau biscuit. Il le fait distribuer aux spectateurs lors d'un match de hockey à l'Arena Westmount, le prédécesseur du Forum. Résultat, le public adore l'Empire, qui devient par la suite l'un des piliers de la maison Viau. Dans la fabrication du biscuit, il y a eu donc la fabrication normale, avec la farine, les œufs, le sucre, des pois du miel. Et pour l'amélioration, disons, du biscuit, ils sont allés chercher de la régionalisation, donc toutes les petites saveurs qui pouvaient s'ajouter. Et ensuite, pour justement, toujours dans l'amélioration, un des premiers d'ailleurs au Québec à faire ça, ça a été Viau, c'était de rajouter du chocolat dedans. Pendant longtemps, la compagnie a été la seule compagnie de biscuits et chocolat à faire son propre chocolat en Amérique. Mais le chocolat, on le recevait des Antilles puis de l'Afrique. Ils achetaient ça surtout l'automne, parce que pour l'hiver, il n'y avait aucune navigation qui fonctionnait. Là, on les transportait dans le sol. Ils passaient dans une hauteur, qu'on appelle, pas une jambe de cuisson. Ils les écalaient, puis ils passaient en dessous des meules pour en faire une poudre. Ensuite, ils les transféraient dans des bassins, puis ils ajoutaient la recette qu'il y avait à cette époque-là. On parle du chocolat, de la qualité du chocolat. C'est parce qu'à ce moment-là, ce sont des sauceuses qui mettaient le chocolat sur, en fait, le centre du chocolat. Et ça, ça donnait un goût extraordinaire. Et mon père m'a toujours dit que c'était dû au fait que c'était la chaleur de la main qui donnait un petit quelque chose qui faisait que le chocolat était meilleur. Ici, c'était les sauceuses. Il y avait 4 ou 5 sauceuses qui sauçaient, mettons, le chocolat opéra, le Belmont. C'était tout saucé à la main. Ils déposaient ça sur une plaque de bois, mais il y avait toujours un papier serré pour empêcher que ça colle. Et après, on les transférait sur d'autres tables pour l'empaquetage. Les sauceuses avaient les bras dans le chocolat jusqu'ici. Et là, elles faisaient une tourniquette, elles déposaient leur chocolat. Et chaque sorte de chocolat, vous pouviez savoir par le petit mouvement du chocolat si le centre était un centre mou, un centre dur. Alors évidemment, les connaisseurs le savaient, mais celles qui faisaient ça, bien, en un tournement, c'était vraiment un spectacle à voir. Alors ça donnait une texture et une qualité exceptionnelle au chocolat. C'était le saucage à la main qui a été conservé pendant très longtemps. Entre 72 et 80, on a arrêté de faire leur propre chocolat. Ils ont donné la recette à une autre compagnie pour le faire faire pour eux autres. En 1903, la compagnie de chemin de fer Canadian Pacific entame des négociations en vue d'acquérir les terrains de l'usine Viau sur la rue Notre-Dame. Après de longs pourparlers, l'entreprise finit par accepter de céder son terrain en obtenant un délai raisonnable pour reconstruire l'usine ailleurs. Tout naturellement, on choisit d'ériger la nouvelle manufacture sur les terrains que possède la famille Viau à Maisonneuve. Bien évidemment, ils ont dû déménager, finalement quitter avec une certaine tristesse la manufacture où ils étaient installés depuis le tout début, où Charles Théodore avait au début même fait son pain, pour s'en aller finalement dans leur fief, parce que c'était leur terrain. Alors finalement, il y avait quand même un côté positif à tout ça. Et en fait, c'est en juillet 1907 qu'ils ont aménagé dans le local où ils sont encore, où l'usine est encore aujourd'hui. La production reprend dès le mois d'août, dans un environnement des plus stimulants. Entre 1900 et 1915, l'industrie manufacturière multiplie par 5 sa production. Maisonneuve se hisse au 5e rang des villes industrielles au Canada. La ville de Maisonneuve a réussi à attirer sur son territoire beaucoup d'usines, dans la chaussure notamment, mais dans plusieurs autres secteurs, dans l'alimentation, dans les produits du fer, etc. Et avec évidemment une population ouvrière très importante. Assez que vers 1910, dans la publicité de la ville, on la désigne comme la Pittsburgh du Canada, pour bien refléter cette idée que c'est devenu une ville industrielle importante. La renommée de Viau et Frères continue de s'étendre hors du Québec. Oui, au début du siècle, même il y a longtemps, déjà, les biscuits Viau étaient vendus à travers le Canada. Et d'ailleurs, à cette époque-là, on a établi à Winnipeg une agence pour couvrir tout l'Ouest canadien. À la manufacture de la rue Viau, on n'a pas peur de la demande, car l'usine est équipée des machines les plus modernes.
Au moment où s'annonce la Première Guerre mondiale, les dirigeants négocient entre autres avec une grande compagnie américaine spécialisée dans l'empaquetage en vue d'acquérir une enveloppeuse pour la tire. Ici, il y avait 3 machines pour emballer les bonbons durs, comme les Marlboro, les Menthol. La machine qui twistait le papier alentour. Ensuite, on les transférait sur les exact twist. C'était une machine avec une balance qu'on programmait pour avoir le pesanteur comme 16 onces, 14 onces. Ça descendait, ça tombait dans un comble, puis la fille mettait un sac en dessous, puis ça se remplissait, elle pesait sa pédale, puis ça libérait le bonbon dans le sac. On mettait les sacs de côté pour une autre personne devait les sceller. Toujours soucieuse d'être à l'avant-garde, l'entreprise achète également son premier camion automobile, un Packard, au prix de 4 500 $. Première guerre mondiale, étant donné qu'elle était surtout en Europe, l'affectation a été des raffineries, donc le sucre. Et le sucre n'arrivait pas ici, donc pas de biscuits. Ben, c'est qu'à partir de 1910, les dirigeants de Maisonneuve ont lancé des grands projets d'embellissement dans la ville qui ont coûté très cher. On s'est endetté. Et puis arrive la Première Guerre mondiale. C'est plus possible de financer ça. L'endettement amène le gouvernement provincial à décréter de force l'annexion de Maisonneuve à Montréal. Les temps sont aussi durs pour les consommateurs. Au début des années 20, une récession importante survient et le biscuit Empire devient inaccessible à bien des gens. Il lui faut un remplaçant, mais un remplaçant digne de ce nom. C'était l'Empire autrefois, puis on voulait arrêter de faire des Empires parce que c'était trop dispendieux. Déjà en 1920, on songeait à le remplacer par un nouveau produit, mais en 1927, là, on a décidé de lancer le fameux Whippet. C'est ce nouveau biscuit chocolaté, désormais à la portée de toutes les bourses, qui a conquis le cœur et le palais des consommateurs québécois. Mais évidemment, le nom Whippet, c'est un nom assez surprenant, parce que quand même, un biscuit qu'on appelle Whippet, et je dis bien Whippet et non pas Whippet, parce qu'à l'époque, c'était Whippet. Maintenant, on a dit que mon grand-père, Théophile, c'est mon père qui disait ça, avait eu un chien de la race des Whippet. En fait, c'était un chien qui s'apparentait à un lévrier. Il y a aussi, on a pu dire que peut-être que ça venait du fait que la guimauve avait été fouettée. Alors, whip en anglais, mais ça, j'ai des grands doutes là-dessus, parce qu'ils étaient pas, ils étaient fort, fort pour un peu, carrément des bons anglais. Mais il y a aussi une autre chose qu'on doit se rappeler, c'est qu'en 1926, la compagnie d'auto Willys, qui a fait les Jeeps, avait lancé une marque d'auto qui s'appelait la Whippet. Et en 1927, cette voiture-là avait gagné des concours d'endurance. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que le mot « Whippet », en 1927, alors qu'ils ont appelé le biscuit comme ça, était sur toutes les lèvres. Peut-être que mon grand-père a dit « de toutes les lèvres, passons à la bouche », et puis voilà. Avec le succès du Whippet, l'entreprise a pris trop d'ampleur pour demeurer l'affaire d'une seule famille. Oui, en 1926, la compagnie est devenue une compagnie publique. Les actions ont été inscrites à la Bourse de Montréal. Et à cette époque-là, il y avait seulement 2 compagnies canadiennes-françaises, c'est-à-dire la Banque canadienne nationale et ce qui s'appelait à l'époque la Corporation des biscuits Vio, qui plus tard est devenue Vio Limitée. Malgré ce changement, la famille Vio conserve d'importants intérêts dans la compagnie. 3 ans après l'entrée de l'entreprise à la Bourse, une rage de spéculation s'empare de toute l'Amérique. Tous voient avec euphorie les cotes boursières monter en flèche. Mais la minute de vérité sonne le 29 octobre 1929. Après la pause, la biscuiterie Vio participe à l'effort de guerre tout en modernisant son entreprise. Les biscuits Vio font partie du patrimoine québécois. De la bourse de New York entraîne une crise économique qui s'étend au monde entier. Vio connaît des jours sombres. Les prix s'affaissent, la production diminue, les produits chers disparaissent du marché. Alors la crise des années 30, elle est terrible avec un chômage très élevé. Montréal est très frappé par cette crise-là, surtout dans le secteur manufacturier. Et à Maisonneuve, qui est un quartier de Montréal où la population dépend beaucoup du travail en usine, là, on est très affecté et par le chômage et par les fermetures temporaires ou permanentes des usines.
L'entreprise résiste cependant à la débâcle générale. Malgré plusieurs offres de compagnies américaines, on préfère que la maison bâtie par des Québécois demeure la propriété d'intérêts québécois exclusivement. On cherche également des façons de moderniser la fabrication des biscuits tout en conservant le bon goût qui les a rendus si populaires. Pour les whippets, ça marchait sur une toile, tu sais, là. C'est une vieille machine qui marchait... Ça allait pas vite, ça allait bien tranquillement. Ça passait au chocolat. Ensuite, bien, les filles les mettaient dans les boîtes. On essayait de perfectionner la machinerie. Les façons de procéder ont évolué avec le temps. Comme par exemple, le manche-molo était anciennement alimenté à la main sur la machine, tandis qu'après ça, il était alimenté d'une façon mécanique. Ensuite, les chocolats aussi, c'était, les enrobeuses ont été perfectionnées après. Ça a été ça l'évolution du point de vue équipement. Théophile Viau, qui est à l'origine même du biscuit Whippet, démissionne en 1938 du conseil d'administration pour des raisons de santé. Il meurt l'année suivante. Lors du décès de mon grand-père, Théophile, celui qui avait justement créé le Whippet, eh bien, mon père a été nommé en 1938 sur le conseil d'administration. Et d'ailleurs, 2 ans plus tard, il est devenu président de la compagnie Viau. Roger Viau, au début de la trentaine, s'entoure d'une nouvelle équipe pour veiller aux destinées de la compagnie. Mon père était un homme d'affaires, mais il avait un côté un petit peu surprenant et original parce qu'il était aussi artiste peintre. Il a été fait de la peinture avec des peintres connus comme Holdgate et il était ami avec Lismert. Il s'occupait beaucoup, il s'intéressait beaucoup à la peinture. Et ensuite, il a écrit des romans. Il a été écrivain. Il a écrit 4 livres, dont 2 biographies, 2 romans. Et tout en menant de front son intérêt pour l'usine Viau. Et au début des années 50, il a racheté suffisamment d'actions pour prendre le contrôle de la compagnie et s'en occuper, prendre la compagnie en main. Sous le règne de la troisième génération de Viau, la compagnie poursuit sa croissance et sa modernisation. Ils ont acheté à ce moment-là des fours à bandes d'acier continu, ce qui était à l'époque très avant-gardiste. D'ailleurs, la compagnie Viau a été la première compagnie au Canada, je crois, à avoir ce genre de four. Alors donc, c'était des fours assez extraordinaires qui permettaient vraiment de fabriquer des biscuits d'une façon nouvelle. Et ce four-là, en fait, était très long. Il avait une longueur de 200 pieds. Alors, à cause de ça, évidemment, il a même fallu agrandir l'usine pour pouvoir loger le four. Les fameux fours sont commandés en Angleterre au printemps de 1939. Et leur construction est presque terminée quand la Deuxième Guerre mondiale éclate en septembre. Ils partaient du port de Londres, puis on voyait presque plus les bateaux. Puis là, la guerre était déclarée. M. Viau avait bien peur de perdre ses fours. Le monde craignait que les bateaux se fassent couler. Puis les machines ont finalement pu arriver ici à bon port. Ils ont été installés dans les années, au début 40. Ils ont été un peu modifiés, mais les fours puis les machines, c'est les mêmes fours que ça fait 60 ans qu'ils fonctionnent. La Deuxième Guerre mondiale a affecté les hommes et la main-d'œuvre. Les hommes étaient partis à la guerre, les femmes travaillaient dans des usines d'armement. Donc, les usines de fabrication avaient difficulté à trouver de la main-d'œuvre. Plus très important, avec la guerre et les sous-marins allemands qui coulaient la plupart des bateaux, donc c'était pas le moment de transporter ni du sucre ni du cacao qui arrivait vraiment de loin. La biscuiterie Viau refuse de sacrifier la qualité de ses produits en se servant de succès d'années inférieures. Au cours du conflit, les biscuits au chocolat qui font sa renommée deviennent donc extrêmement rares, si bien que le public se les arrache dans les magasins avant même que les commis puissent les ranger sur les tablettes. Along the fighting fronts of the world, from Normandy to Saipan, from the Baltic to the Adriatic, every day, fighting men are wounded. Durant la Deuxième Guerre mondiale, la biscuiterie Viau répond à l'effort de guerre à sa façon. Le gouvernement canadien a commandé des biscuits. Puis c'est des biscuits qu'on faisait pour l'armée canadienne en Outre-mer. Il y avait beaucoup de protéines. On pouvait manger un biscuit, puis il y en avait suffisamment pour la journée au complet. Il prenait ce biscuit-là, il mettait ça dans son chapeau, puis il mettait de l'eau. Puis ça gonflait. Puis c'est comme ça, ils mangeaient des biscuits. Là, comme ça. Mais une chose assez drôle, c'est que les filles qui les paquetaient, ils empaquetaient ça dans des boîtes de bois. Et les filles écrivaient des lettres d'amour, puis ils mettaient ça dans des boîtes, puis ils mettaient leur photographie, puis ils demandaient à avoir une réponse. Ce que l'armée n'a pas tellement apprécié. La guerre n'est pas le seul événement tragique auquel Viau aura participé à grand renfort du biscuit. Le cardinal Paul-Émile Léger a ramassé ses œuvres. Il avait commandé des biscuits pour la survie, pour l'Éthiopie.
C'est l'entreprise Viau de Montréal qui a répondu à l'appel d'Oxfam Québec et de l'Assistance médicale internationale en vue de produire ce biscuit à haute teneur en calories permettant d'assurer la survie des enfants ou des adultes touchés par la sécheresse qui sévit en Éthiopie et au Soudan. Avec 4 biscuits de ce type, un individu absorbe 500 calories, minimum essentiel à sa survie. C'est un biscuit qui a été développé par le département des recherches et développement. C'était un besoin du tiers-monde. La compagnie Viau de Montréal en a déjà produit 80 tonnes à un rythme de 9 tonnes par jour. Puis là, ils ont livré ça par bateau. Malheureusement, ça a resté sur les quais là-bas. Ils l'ont pas donné aux gens. Puis ça a resté à l'appui. Puis ça s'est détérioré. Fait que le cardinal a dit on n'en fabrique pas, ça donne rien. Chez Viau, les affaires profitent et des biscuits se vendent à une vitesse vertigineuse. En 1950, on doit construire un nouvel entrepôt à Québec. Et 2 ans plus tard, on ouvre une succursale à Hull. Des agents sont nommés pour représenter la compagnie à Vancouver et à Terre-Neuve. Désormais, le nom de Viau est connu d'un océan à l'autre. Mais c'est tout près de l'usine que la situation se gâte. Il y a d'une part un certain appauvrissement de la population parce que les gens un peu plus à l'aise sont partis vers les banlieues où ils pouvaient s'acheter une petite maison. Il y a eu un phénomène de désindustrialisation avec des secteurs, des entreprises qui sont disparues, comme dans la chaussure. Mais il y a eu aussi un phénomène de transformation de l'industrie elle-même grâce à l'automatisation qui devient de plus en plus importante. Et là, Viau est un très bon exemple de ce virage qui est pris par les entreprises à Maisonneuve et ailleurs au Canada. En 1952, on réorganise complètement la production et on agrandit les locaux. La chaudière à vapeur et la grande roue motrice de la rue Notre-Dame disparaissent. Une chaufferie à l'huile est érigée. Les bureaux de l'administration et le garage sont installés dans des immeubles modernes de l'autre côté de la rue. En 1953-54, la direction a décidé d'investir dans l'agrandissement, presque doubler la superficie actuelle de l'usine. Puis ça impliquait la relocalisation de beaucoup de machinerie, comme par exemple les 2 fameux fours qui étaient en bas, qui venaient d'Angleterre, ont été relocalisés en haut, avec l'ajout d'un 3e qui venait de la même compagnie. Ensuite, en même temps, on a aussi installé un système de boulangerie qui était plus moderne à ce moment-là. C'est-à-dire, c'était des balances qui alimentaient la farine et le sucre d'une façon directe et non pas par sac. Ça, ça a été une grosse amélioration. Ici, on trouvait des pannes pour surtout faire des œufs de porc, des jelly beans. Et puis, il y avait à côté de chaque panne qui était en coque, il y avait un petit récipient où ils pouvaient mettre la couleur pour colorer, mettons, les œufs de porc, les couleurs qu'ils voulaient avoir, puis les jelly beans. Aussi, on s'en servait pour mettre, bon, on appelait ça du vernis, c'est du chaud, c'est comestible, par-dessus des outils là, ou les jouets. Bon, il y en avait plusieurs sortes, des bonbons clairs qui faisaient. Ça marchait beaucoup. Puis à ça, il y avait le marshmallow qui faisait. Puis donc, moi, c'est dans tout le jelly bean. Hein. Ça marchait beaucoup. Ça. Le coût total des améliorations et agrandissements, plus de 2 millions de dollars. Viau peut maintenant répondre à la demande accrue pour ses produits. La compagnie possède en plus tout l'espace requis pour entreposer sur place les quantités énormes de matières premières et de cartons d'empaquetage nécessaires. Dans les années 50, Viau compte 700 employés, dont plusieurs sont affectés exclusivement à la fabrication du Whippet. La capacité de production atteint alors 450 caisses de Whippet par jour. Il n'y a pas que les chiffres qui parlent. Chacun a son histoire de biscuit Viau. Je me souviens, moi, même aujourd'hui encore, des biscuits Village, qui étaient un biscuit sec. Donc, parce qu'il était sec, moi, j'aimais le tremper dans le lait. Alors, même aujourd'hui, mes enfants et mes petits-enfants font la même chose. Une bonne tasse de lait, puis on trempe le Village, puis c'est à qui va le manger avant qu'il s'écroule dans le fond de la tasse. Et Dieu sait s'ils étaient populaires, parce qu'on connaît les biscuits. Dans toutes les maisons, il y avait les biscuits Village, comme on l'a dit. Il y avait les social tea, thé social, mais c'est vraiment social tea, c'est un nom anglais. Et évidemment, tous ces biscuits au chocolat, vraiment, les biscuits Viau font partie du patrimoine, je pense, québécois. Parce qu'on avait le droit à une boîte par 15 jours, par mois, quelque chose comme ça, un 4 livres. Et puis quand j'en apportais un chez nous,
ça se vidait tout. J'avais seulement 8 ans quand ma mère m'a demandé d'aller au magasin chercher des biscuits. Oui, pète. En venant chez moi, j'ai ouvert la boîte. J'en ai mangé 2-3 là, avant d'arriver à la maison. J'ai pas été chicanée, je me rappelle pas de ça. Mais je me rappelle très bien d'avoir mangé des biscuits. Les petites boîtes de biscuits bio, elles sont petites, mais moi je les aime gros. Elles sont petites, mais moi je les aime gros. Tu vois? C'est le côté cocooning. Le petit biscuit qu'on prend le matin dans le lait, le petit biscuit qu'on grignote à la télé le soir plutôt que de manger des chips, c'est tout ce côté rêveur du biscuit. Parce que le biscuit, c'était la gâterie pour l'enfant à l'époque. Et maintenant, ça l'est toujours. Bien sûr, il est enrobé de chocolat, il a d'autres proportions. Mais c'est vraiment le côté familial, maman qui gâte l'enfant. C'est l'image que j'ai. Après la pause, la biscuiterie Vio fait face à la grève. Et on répond à la question, comment manger un Whippet? La révolution tranquille avec l'une des usines les plus modernes d'Amérique. On développe de nouvelles méthodes de fabrication et les laboratoires mettent continuellement à l'essai des recettes originales de biscuits et de bonbons. Chaque année, la liste des produits s'allonge car le consommateur est friand de nouveautés. Les employés de Vio travaillent dur pour maintenir la cadence, mais ils sont aussi capables de s'amuser. Oui, il y avait beaucoup d'activités sociales. Étant donné que la compagnie était très familiale. Toutes les étés, on avait un pique-nique qui était organisé, puis on passait la journée au Parc Belmont. Toutes les émotions violentes, en avant, en arrière et sur le dos, vous allez au Parc Belmont. On allait au Parc Belmont, on faisait tout ça ces affaires-là. Tous les employés avec leur famille, les enfants, c'était vraiment agréable. Il y avait beaucoup de beaux-frères et de belles-sœurs qui travaillaient ici. Alors oui, il y avait un club social, on faisait un tournoi de quilles ou des activités, toutes sortes d'activités, des parties de balles. L'ambiance familiale qui entourait tout ça, là, qui était formidable. Ça réunissait les employés ensemble dans une autre atmosphère que l'usine. C'était très bien. Quand ils fêtaient les 25e anniversaire, il y avait un souper dansant, c'était au Queen Hotel. Là. C'était la première fois que je suis allée là, j'avais 16 ans. Là, j'étais bien impressionnée. Et franchement, on avait des bons copains pour travailler, du bon monde. Ça sera commencé, je recommencerai encore. Partout au Québec, les esprits s'échauffent et plusieurs mouvements de syndicalisation voient le jour. Vio connaît sa propre vague de protestation lorsqu'une grève éclate en septembre 1963. On était pas payé cher dans ce temps-là, tu sais. On avait plus d'argent. On était 3 mois en grève. Novembre, décembre et janvier. Parce qu'on voulait avoir de meilleures conditions de travail. Moi, j'étais cadre à ce moment-là. Là, j'étais pas gréviste. C'était assez dur. Puis on avait peut-être un aide du syndicat, mais c'était pas tellement 25 $ par semaine. C'est pas tellement beaucoup pour vivre. Ça avait été long pour certaines personnes parce que c'était difficile à ce moment-là. Les gens ne gagnaient pas des gros salaires, puis il y en a qui avaient déjà des familles nombreuses. C'était des périodes assez difficiles pour certaines personnes. Mais nous autres, les cadres, on rentrait pareil. C'était juste pour faire des petits travaux en attendant que la production reprenne. Il n'y a pas eu aucune production pendant 3 mois. On négociait un contrat, puis ça a fonctionné. Bon, ça fait 44 ans que je travaille ici. J'ai commencé à 77 $ aujourd'hui, mais 16,71. On est rentré. On a eu des salaires. On n'a pas beaucoup d'augmentation, mais malgré tout, avec le temps, on a réussi à avoir des meilleures conditions de travail. En 1967, l'entreprise célèbre son centenaire. Si les membres de la famille Vio se sont succédés au sein de la compagnie, il en est de même pour plusieurs autres familles, qui comptent souvent 4 générations à son emploi. On disait à notre frère ou à notre belle-sœur, viens travailler chez Vio. Puis ça fonctionnait, ils l'embauchaient parce qu'on n'avait pas besoin tellement de références écrites à ce moment-là. C'était simplement, c'est le frère d'un tel, c'est la sœur d'un tel, ça va. Moi, mon père a travaillé ici 50 ans, fait que moi je suis rentrée. Mes frères, mes sœurs ont travaillé pour une période estivale. Les autres sont retournés aux études, puis moi je suis restée ici. Mais
Les gens, à ce moment-là, on allait à l'école moins longtemps aussi. Les familles étaient plus grosses. Fait que les aînés aidaient. C'est dans mon cas ce qui est arrivé. Là, j'étais l'aînée. Puis, pour aider mes parents, ben moi, j'ai pas continué mes études. Et puis, je suis venue travailler ici. Mon grand-père, lui, il avait soin de l'écurie. Il y avait des chevaux dans le temps. Il avait soin de l'écurie. Ma grand-mère a venu travailler ici à temps perdu. Quand on a besoin de surplus, d'ouvrage, quand on a leur aider, mais pas plus que ça. T'sais. J'embauchais mes petits-neveux. J'ai même embauché mon garçon pour la période d'été seulement. Quand j'ai travaillé juviaux, ça m'a permis de rencontrer ma femme, qui s'appelle Thérèse. Ça va faire 50 ans l'année prochaine. Ma femme, Hélène, travaillait dans l'empaquetage des biscuits dans les années 48. On s'est connus en 48. Puis, c'était une belle histoire d'amour. On s'est fréquentés pendant 3 ans. On allait le midi, on sortait à l'extérieur, puis on se rencontrait dans un petit coin où on jasait pendant la période du hunch. C'était le bon temps. Il y a beaucoup de couples qui se sont formés suite à la greffe. Ça a eu ses bons côtés aussi, là. Et puis, c'était beaucoup une grande famille, de père en fils, de mère en fille aussi, cousins, cousines. Au cours des 3 dernières décennies, Viau est passé aux mains de géants de l'industrie alimentaire. Tour à tour, la manufacture a été associée à des noms tels que Imasco, Culinard et Dare. Mais dans l'usine de la rue Viau, l'odeur chocolatée des débuts est toujours bien présente. Ce qui est sans doute le plus remarquable, c'est sa durée. Des entreprises qui existent de façon continue depuis un siècle, on n'en a pas beaucoup au Québec, finalement. Il y a tellement de mouvements, de changements, d'entreprises qui viennent, qui disparaissent. Et le fait qu'une entreprise ait duré un siècle comme ça, pour moi, c'est assez remarquable. Il y a des gens ici, au Québec, qui sont capables de... qui ont tout ce qu'il faut pour bâtir des entreprises. Et entre autres, justement, en alimentation, étant donné que le Québec est, des terres qu'on cultive, bon, c'est sûr que ça prenait du lait, c'est sûr que ça prenait, en tout cas, pour les farines, et ainsi de suite. Alors, il y a des gens qui ont su profiter de tout ce potentiel-là. Le biscuit Viau, dans la population québécoise, c'est un héritage. La mère a mangé du petit biscuit Viau, le fils a mangé, le petit-fils en mange et l'arrière-petit-fils en mangera aussi, parce que c'est une tradition familiale. En lisant sur l'historique de la famille, de l'arrière-grand-père, du grand-père, des gens qui avaient beaucoup de courage, qui ont mis la main à la pâte, qui ont réussi quelque chose, des Canadiens français à l'époque qui ont réussi à faire une compagnie qui a vécu... au-delà de 100 ans, et puis qui existe encore, puis les gens demandent encore les biscuits Viau. Alors, c'est le succès de la famille. Il y avait un sentiment d'appartenance à la compagnie qui était bien fort. Alors, on était fiers de dire qu'on travaillait chez Viau dans ce temps-là. C'était quelque chose de pas important pour nous autres. Encore aujourd'hui, les Québécois raffolent les biscuits Viau. La question n'est donc pas de savoir qui mange des whippets, mais comment? Moi, je faisais toujours un petit cru avec mon pouce, voir s'il était frais. Celui-là, il a l'air parfait. Le whippet, quand il est fini, quand il est sorti du couleur, il ne peut pas le manger tout de suite. Le mouchoulu, il est trop mou, c'est gras. Ça prend au moins 24 heures quand il est fait pour le manger. Moi, j'aime ça avec des amis. Puis, des fois, on le cassait comme ça, puis quand il est... Quand il est bon, là, puis s'il craque, ça fait cric, crac, croc, bien, ça veut dire qu'il est bon. Il est parfait comme ça. Tu faisais ça comme ça, puis il y avait une confiture ici. Tu mangeais la confiture, tu mangeais le marshmallow, tu mangeais ça, puis en dernier, des fois, tu jetais, ou bien non, tu le mangeais quand t'avais bien faim. Mais si tu en avais beaucoup dans la boîte, en dessous du lit, là, tu mangeais que ça. À ma façon, toujours mon petit couteau. Moi, je fais des découpages dedans, vous voyez. Je mange d'abord le petit chocolat qui est dessus. Ça, c'est pour me donner le goût. Il y en a qui enlèvent le chocolat, mais moi, je trouve que, comme il avait été inventé, c'est la composition de manger, d'avoir dans la bouche le chocolat, la guimauve et le biscuit qui en fait un pur délice. À votre santé. Délicieux. Ça en bon, en tout cas.
Même une idée, franchement, là, j'en ai mangé un matin. Quand j'étais enfant, je mangeais d'abord la guimauve et le biscuit en dernier. Je croque directement dans le biscuit et le mêle avec un peu de lait. Et puis après, je fais du découpage dedans, dans la petite guimauve qui est en dessous. Bon, je le prends, je m'ouvre la bouche et je mords dedans à belles dents, c'est le cas de le dire. Et ça, c'est le pied.